cucu, mes petits culs, et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors, salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et la journée de la compétence a été une réussite pour presque tout le monde. On retrouve notre petite famille Ogly. Ah, je vous... Ah oh, bah, d'accord. On n'a même pas le temps de dire ouf que ça y est. Ok, bah Heidi, tiens, tu vas nous faire servir le petit déj, je suis bien perdue. Ah, non. Non, tu y vas. Tu me gonfles. Qui c'est qui fait chier son monde? Lui, il va faire du basket, c'est pas lui. Tu vois, tu vas pas dans... Voilà. Tu m'énerves. Oh, ça commence. Oh là là, Heidi, t'es vraiment relou, hein. Oui, la dalle. Ben, il va attendre. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas mettre... Ah, tu vas débarrasser ça. Et après, tu vas mettre la table. Petit con de Ludovic. Ludovic. Ludwig. Oh là là, sophistiqué. Triangle. Oh putain, ça a l'air de puer dans le... Tiens, Lidvine, au lieu de te prendre de la salade, tu peux jeter la nourriture gâtée et t'arrêterais de te mélanger à ta mère. Ça pourrait être sympa, je dirais, hein. Ça sent bon la poubelle. Ouh, la nourriture de bouffe. La bouffe pourrie. Non, toi non plus. Eh, mais c'est mignon en triangle. C'est super les couleurs. Tac, tac. Illumine la journée. Toi, à lui aussi. Black perso, voilà. Hello! Qu'est-ce qu'il a, lui? Va pisser, t'as raison. Elle, je la vois déjà. Ah non, elle va juste pisser, donc tout va bien. Maman! Oh, fini le déj! Allez, appelez à table. Voilà, tout le monde va pouvoir aller manger. Les bonnes manières, tout ça. Choris aussi, c'est parfait. Voilà, un bon petit déj en famille, ça faisait quand même longtemps. Ah, c'est vrai qu'on est en automne, 2 jours 2 sur 7. Oh, bah c'est cool, je vois que ça commence à tomber un petit peu dans le jardin. Ce serait sympathique. Voilà, un bon petit déj en famille. Tu vas illuminer la journée, tu vas... Prends la température fraîche. Toi là, tu vas être obsédé par ton réseau social. Comment s'est passée la journée? Non, c'était quoi? C'est pas ce que je voulais. Bon, alors voilà, je l'ai fait un peu discuter tous ensemble, comme n'importe quelle famille, normalement, hein, normalement constituée. Toujours ici. Parle pas trop, hein. Voilà, que des petits plus, que des petits plus. C'est très bien. Voilà. Oh, les manières! Oh, Joris, il est bien élevé. Monsieur, très bien, chien, vous me direz, mademoiselle, monsieur. Bon, vous allez partir au cours, les gosses, hein. Allez-y, il est l'heure. Tac, 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 hop. Hop. Tout le monde à l'école. Oh, Joris, il a mis sa deuxième tenue. C'est plutôt pas mal. Ah! J'ai de la pluie. J'ai toujours de la pluie. Toujours, tous les jours, j'en ai marre. Bon, là, on va se faire des amanches. J'ai eu quelques petits ajouts d'adolescents et autres qui m'ont été faits ou que j'ai pris sur la galerie. Donc, pour faire des rencontres possibles pour les futurs maris des femmes de nos enfants. Alors, attendez, c'est lequel qui s'est fait pas? C'est elle. Ok. Et toi, mon petit, tu travailles quand? Dans 6 heures. Oh, t'as le temps. T'as grave le temps. Est-ce que tu peux programmer encore entre-temps? Fou, non, commencez. Bah, c'est très bien. Vas-y, commence. Toi, viens prendre ta douche. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dehors, elle va encore se plaindre d'avoir pris la flotte.
Je cherche quelqu'un pour créer un blog sur mon chat et je crois que vous êtes la personne idéale pour cette mission. Est-ce que vous pourriez faire cela? Oh ben oui, un blog pour chat. Bah bien sûr. Bon bah on est parti pour la journée. Piratage informatique. Aujourd'hui, nous avons surpris Joris en train d'essayer de pirater les ordinateurs de l'établissement. Nous ignorons quelles étaient ses intentions. Nous allons arrêter avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Hop. Il va être plus du tout responsable, c'est ça, bah, comme d'hab. Oh, 1239 Simflouz pour les droits d'auteur. Ça, c'est cool. Bon, bah voilà. C'était la petite update. Notre petite. Comment elle s'appelle déjà? Heidi Howe est en train de retravailler sur un bouquin comme ça. Au moins, on en gagnera encore un peu plus d'argent. Ce sera pas de refus. Vraiment pas. Parce que je vous rappelle, c'est décidé en fait. Hein, on va déménager pour la prochaine génération. Donc, l'enfant qui sera sélectionné en tant qu'héritier. En fait, tout le foyer va déménager. Hein. Peut-être pas. Mais je vous donnerai et le lieu et la somme pour en fait que ce soit vous qui me fassiez une petite maison. Petite ou grande maison, parce que il va me falloir de la place quand même. Parce que, mais je vous donnerai tout ce qu'il faut, je pense, dans une vidéo peut-être spéciale. Et puis voilà. Et puis, mais en attendant, on augmente les fonds du foyer, comme ça on pourra avoir plus de place, plus de choses. Et ce sera à vous de d'imaginer la future maison des Ugly. Voilà, c'est un défi. Haha. Oh oh, 3952 simflouz de facture. Je n'ai pas pu atteindre votre boîte aux lettres. J'ai réussi à acheter. Hein? C'est tout la gueule de qui? Genre, la boîte aux lettres, elle est difficile à atteindre. Mais oui, bien sûr. Gabi. Va parcours Simpedia, là. Voilà, comme ça tu seras un peu concentré juste avant d'aller au taf. Il va bientôt aller taffer. Ce sera toujours ça de prix. Je vais pas regarder. Ouais, on va pouvoir essayer de viser la. Oui, quand même, hein. Niveau 7. On pourrait atteindre le niveau 8. C'est peut-être pas mal, quoi, je veux dire. Hein, quand même. Oh, Gabi. Va travailler très fort, chérie. Je veux la promotion, mon mari. Oh, Gabi. C'est payer la tête des nouveaux. Allez. En plus, ça augmente son truc, donc c'est parfait. Voyons, donc, je sais qu'il faudrait que je le laisse plutôt travailler dur tout le temps, mais. Voilà, on va faire un petit peu tout. On va travailler dur. Et on verra ce que ça donne. Madame, vous avez un look assez particulier quand même, hein, je tiens à vous le dire. Faudrait voir consulter une styliste. Ce sera mieux. Bon, alors on n'a que Heidi pour l'instant à la maison, mais là les gosses, ils vont bientôt revenir. Ils font plein de rencontres, donc c'est cool. Il y a beaucoup de rencontres là qui sont faites aujourd'hui, donc il y a du potentiel pour les futurs maris et femmes. Mais voilà, ça y est, ça ramène des amis à l'école, de l'école. Alors, Genji, c'est le fameux qu'on sait toujours pas quel sexe c'est. Oh non, projet scolaire. Projet scolaire. Day for everyone. I hate this. Ah. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Non, tu vas te prendre une douche froide, cocotte. Tiens. Ça va te remettre les idées en place, Carla. C'est fait, toi. Jouer dedans. Jouer dans quoi? On dirait une crotte. Ah! Mais non, tu vas puer après, idiote. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, il me manque de place, moi, pour les projets scolaires, les enfants. Regardez, j'ai une petite maison, moi. J'ai pas la place, hein. Projet scolaire, allez. Ah bah si, il y a de la place, là. Bon bah, vas-y, commence soigneusement. Toi, t'es en bon état. Ah oui, parce que j'ai activé le bébé move object. On va dire comme ça. Hop! T'es en forme. Oh, c'est qui lui? Ah, oh, bah c'est le fameux Genji! Bah c'était un garçon! Oh, bon.
Ouais, dis donc, je savais pas. Il n'a pas l'air trop dégueu. Je veux juste voir. Ah. Tu peux lever la tête? On dirait que t'as des cheveux en forme de plastique. Tu lèves la tête ou pas? Non? D'accord. Attendez, je crois que c'est. Non, je me trompe, c'est comme ça. Oh non, y a pas mal. Les yeux sont un peu. J'aurais préféré une autre couleur d'yeux, mais bon. Hein? Y a pire, y a mieux, comme on dit. Hein. Oh ah là là, ma pauvre. Mais. Toi, t'es bien, tu vas faire ton projet scolaire. Allez, go. Soigneusement, petit coco. Tac, tac, tac. Il n'y a que elle qui est vénère, là. Est-ce qu'on peut lui faire là, comme ça, dans le... Mais comme il pleut tout le temps, hein, j'ai pas trop le choix pour placer... Ah bah si, peut-être là. Ici. Ouais. Hop! Tout le monde va travailler! Mais. Ludwig! Mais Ludwig! Mais c'est une blague! Allez, c'est bon, elle travaille. Lui, il est dessus. Oh putain, mais comment elle marche! Quand j'étais ado, je marchais pas comme ça, hein! Enfin, je pense pas! Heidi a terminé un livre. Oui, mais tu sais quoi, tu... Oula, tu vas aider pour le projet, hein? Tu vas aider ta fille, hein? Ok, c'est franchement... Oh, bah oui, Gore, viens, passe! Litvin, elle fait son taf aussi. Tu peux... Attends, tu peux demander à Genji, là, je sais pas quoi. Demander d'aide pour le projet. Voilà, ça crée des liens. Et lui, il travaille. Ah, responsabilité de juriste compatible. Voilà, il suffisait pas de grand chose. Bingoya. Non, tu vas. Est-ce que tu peux calmer ta fille, toi? Essayer de se calmer. Et illuminer la journée. En général, ça marche, hein. Voilà, faut respirer, c'est vrai, c'est ça. C'est... Quand on est énervé, il vaut mieux respirer un bon coup, et puis comme ça, des fois, ça calme quand même. Des fois, ça calme pas, hein. T'as quand même envie d'étriper la personne en face. Hein. Ah bah oui, maintenant, elle est concentrée. Ça marche. Merci, maman, tu es la meilleure. Ah bah tiens, Igor est là, juriste, tu peux lui demander de l'aide? Ce serait sympa. Oh, Igor, il est pas en forme, hein. Hein. Allez, mon petit neveu. Bien sûr que je vais t'aider pour ton projet scolaire. Moi aussi, j'en ai fait quand j'étais jeune. D'accord. Et c'est quoi qui construit, en fait? Construit un pont. D'accord. Construit un pont. Elle fait quoi? Expérience électrique. Elle fait quoi? Construit un pont. Et lui, tout seul. Réaction chimie, ouais, parce que c'est. Ouais, j'ai l'impression c'est toujours les mêmes quand c'est les enfants, ils font toujours des volcans ou le château. Bon, au moins, c'est toujours ça de fait, hein, parce que bon. Un kima kima? Et tibi tibi tibi? Bon, arrêtez de discuter! Allez, zo! Les mimiques là, la mère et fille, hein? Non, il n'y a pas à dire quoi. Carla, elle est quand même plus jolie que sa mère. Ouais, quand même. Malgré les yeux du démon, elle est quand même plus jolie. C'est toujours ça de prix, c'est toujours ça de prix. Et Litvin, elle est en train de draguer. Bon, il n'est pas dégueulasse, mais il est un petit peu fat quand même. Bon, il n'a pas de style, quoi. On dirait qu'elle limite comme une grosse benêt, quoi. Ah, il applaudit, je vais faire pareil, comme ça, je vais être admise dans son clan. Bon, bah c'est cool, t'as fini ton truc. Tu peux mettre dans l'inventaire, du coup.
Toi, est-ce que tu l'as fini? Pas encore. Vous êtes des glands ou quoi? Vous finissez pas votre truc en temps et en heure? Alors, c'était très sympa. Il est juriste, oui, il est méchant. Non, pas juriste. Igor. Oh là là, je vais y arriver. Oh là là! Excuse-toi, je sais pas ce que t'as dit, mais. Oh là là. Carla, après. Oui, donc ça c'est bon. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, cocotte? Va manger un peu. Non, on va pas aller au resto, non. On n'a pas le temps, hein. Nous, on a une vie active, beaucoup d'enfants, tout ça. C'est un peu la folie, vous voyez. Mais attendez. Oui, non, elle a fini. Toi aussi, t'as fini ton projet? Ah, c'est cool. Bah, mets-le dans l'inventaire, alors. Hein. Ah, Joris aussi. Ah, bah, c'est parfait. Tu vas pouvoir faire tout ça. Yips. Et maman, elle regarde un film. Bah, elle a que ça à foutre. Avec un pont comme son fils qui vient de faire. Bon, et Gabi, il s'en sort. Ouf. Il a une excellente. Voilà, il faut que ce soit excellent, excellent. Hein, pour qu'ici, on vise la promotion. J'ai cru voir quoi? Oui, enlever de la souriture gâtée pendant que tu y es, cocotte. J'ai cru voir un truc. Oh là, oh oui, c'est le paquet d'ordures qui dépassait du truc. Oui, alors, une chose. Merde. Heidi, elle va venir, vieille. Oh, on n'était pas prêt, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt du tout. Non, mais c'est pas possible, ça va beaucoup trop vite. Son dernier enfant, il est encore enfant et elle est déjà vieille. Est-ce que c'était déjà le cas pour Cybelle et Lorelai? Ou est-ce qu'ils ont raccourci le temps des vies courtes? Je sais pas, c'est bizarre. Ah, il y en a une qui prend un bain. Ouais. Et après, tu iras aux toilettes et puis tu iras te divertir, mais autrement, hein? Intelligemment, voilà, tu fais du basket, c'est super. D'ailleurs, est-ce qu'il pleut encore? Non! Oh, regardez, il y a des animaux. C'est un raton laveur. Et Erika Shimizu. Maintenant, t'as un prénom et un prénom. Oh, t'as été abandonnée, toi. Pauvre bête. Joséphine! Ah, oh, petit clin d'œil à notre jojo national. Présentation amicale. Ouais, non, mais moi, je suis ouf avec les chats. J'aurais bien aimé adopter un chat, mais. Bon, voilà quoi. Voilà. Yeah! Tu l'as terminé tout seul en plus, mon petit Ludwig, c'est bien! T'es le seul à avoir travaillé tout seul. Tu vas faire tout ça là. Ah, tu vas t'occuper. Tu grandis quand toi déjà? Dans 2 jours! Ça fera pas encore maintenant donc. Ah bah elle est partie. Oh, attends, parce que t'as fait le gâteau. Carla, 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 ma belle. Des bougies, stop. Stop, 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 stop. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme Carla, quand vous mettez des bougies sur un gâteau, vous êtes obligé de faire des. C'est logique, non? Moi, j'en fais tous les jours. Et parti où? Mais va pas te coucher, idiot! Ah, veut dire une connaissance de. Voilà. Oula, bah ça passe pas du tout, par contre. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un chien. Ah, bah, c'est le chien qui est là. Est-ce qu'on peut t'adopter? Proposer son amitié. À la fin. À la fin, la fifille. N'oubliez pas de mettre une gamelle pour elle. Bah oui, bah viens chez moi, hein, tu vas voir. Elle donne une friandise. Qu'est-ce qu'il a le chien? Oh, il me fait mal au cœur.
Tu as reproposé ton amitié. On va attendre que Gabrielle revienne pour faire ta fête d'anniversaire. Donc j'espère qu'elle va pas vieillir avant. Ce serait dommage. Oh, la petite patoune. Elle est territoriale, ben dis donc. Tu vas caresser. Plus de choix amical. La reconnaissance. Oh! 1089 Simflouz! Mais Gabi, tu es géniale! Malgré ta tenue de merde. Par contre, on n'a pas payé les factures aujourd'hui. Donc, on a gagné de la thune, mais on va en perdre aussi sec. Hein. Ok, bah tu peux revenir. Joris, je t'ai dit non, tu ne dors pas. Tu t'occupes, mais tu dors pas. Toi non plus. Allez, tu viens ici. Tu vas aux toilettes. Toi, il y a hors de question que t'ailles dormir non plus. Oh là 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 là, c'est vrai qu'il est tard en même temps, hein, je suis d'accord. Toi, tu peux faire la vaisselle. Tu mets la table avec la table sophistiquée bordure, on s'en fout. Tu peux venir ici? Courir ici, ouais. Ah, elle est curieuse, Joséphine. C'est trop mignon, quoi, le chat, Joséphine. Oh là là, Gabi, ça va puer. Donc, on va commencer une réunion de groupe. Voilà. Garance et Frida sont vieillottes, hein. Harold et Igor ne le sont pas encore et Heidi va le devenir. Comme ça, au moins. Tac. Qu'est-ce qu'il y a, Gabriel? Oh, bah écoute, t'es fatiguée, je suis désolée pour toi. Déjà, tu vas te prendre une bonne petite douche. Ça va te remettre les idées en place. De toute façon, tu travailles tard, donc on a le temps. Voilà, lui met la table. Il te manque une. Il t'en manque une, là. Non? Pourquoi? On sait pas. Tu peux enlever ça. Ouais, tu vas tout enlever. Ah là là, je peux pas accéder à la chaise. Bah, va te faire foutre, tu me fais chier. Bon. Heidi, how? Non, 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 non. Mais dis. Est-ce qu'ils sont venus, là? Ah bah, ils sont déjà tous en train de jouer. On va tous les tuer. Ils sont en basket, là, en train de jouer. Regardez-moi ça. Frida n'est pas encore canée, hein. Tu vas les appeler? Attends. Demander de vivre ensemble. No! Non, 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 tu viens là. Bon, venez tous là. Non, non, tu dors pas non plus, toi. Oh là 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 là, j'en ai marre. Oh, il est pas si tard que ça, hein, dis donc. Et toi, tu viens. J'attends que tout le monde soit là. On va fêter l'anniversaire. Excusez-en d'intérêt. Complimenter. Enlacer. Embrasser. Hey, sœur, vous allez vous flatter. Et les garçons, vous allez vous flatter aussi. Enfin, vous allez vous illuminer. Voilà, ça fait un peu de con que de. Hein? Bon. Ils peuvent pas venir à l'intérieur, je peux pas les appeler? Demandez de partir. Bon. Allez, Heidi, il est l'heure de devenir une vieille peau. D'en finir avec la jeunesse, la beauté. C'est bon, elle clignote bien comme il faut, quoi. Au moins, ce sera fait. Allez! Happy birthday, Heidi! Happy birthday, Heidi! Happy birthday, Heidi! How? Happy birthday, Heidi! Et ben voilà! Les confettis! Youhou! Allez, tu peux appeler à table. Oui! Ah, bah, punaise, d'accord. Joris, si c'est rude, je suis quand même gros dalleux. Sibel a envoyé un cadeau à. Merci, maman. T'es morte depuis très beaucoup d'épisodes, mais merci. Voilà, hein. Heidi Lavioque. Ça passe vite, hein. Je me souviens encore quand on l'a mariée. Et puis, ouais, maintenant, elle a 4 enfants. Vous avez déjà des préférences pour le petit nez. Hé, hey, elle aurait pas un plus petit nez que elle? Oh, je sais pas, c'est kiff kiff la riflette comme on dit. Ou pas d'ailleurs.
partager des photos, évoquer un moment embarrassant de l'enfance. Vas-y. Oh, tu te souviens, ma soeur? Maintenant qu'elles sont toutes des vieilles. Tu sais, c'est genre. Ah, et tu te souviens la fois où t'avais un bout de crotte collé sur la joue? Ah, t'en as jamais parlé à ta femme? Ah, bah. Moi, je m'en souviens bien pourtant. Oh, il en peut plus là, Gab. Gab, Gab. Bon, les filles, vous êtes liées d'une amitié exceptionnelle pour toujours. Oh non! Qui c'est qui a largué une paix? Oh! C'est une blague? C'est Harold qui a pété comme ça? Voilà, les sœurs, elles sont devenues, en même temps, elles sont tellement semblables que bon. Limite, heureusement que j'ai mis une avec une frange et l'autre avec 100 franges parce que sinon je serais incapable de les reconnaître. Hein. Zoub! Comme ça, vous pouvez les voir un peu plus encore. Puis après, Zou au lit. Qu'est-ce qu'il a, Gab? Massacre au clair de lune 3. Ouais. Oh bah, elle nous fait le ménage, Frida. Elle est sympa. Joris, tu peux regarder le film actuel. Ça va te remonter un peu le moral et après t'iras te coucher. 3 h du matin quand même. Bon. Elle dit, voilà, elle est trop vieille pour ce genre de conneries. Elle est partie se coucher. Putain, là j'ai pris un coup de vieux. J'ai pas eu un cheveu blanc, j'en ai eu 100 milliards d'un coup. Et comment ils vont, la Ugly Family? Oh là! Oh, moi j'ai l'air d'y aller, hein. Oh mon petit Harold. Oh mon petit Harold. Voilà pour, pour la journée, madame Heidi et Vioque. Oh bah, son mari il est venu. On va pouvoir mettre fin à la réunion comme ça. Hop! On peut pas dire qu'ils sont vraiment venus fêter l'anniversaire, hein. On va ajouter nos filles. Et que j'oublie pas. Joris. Voilà. Comme ça, c'est fait. Il y a tout le monde. Les potentiels sont là. On va attendre que Frida elle canne pour peut-être mettre Ludwig. Ludwig sera plus grand. Joris! Allez, tu peux restopper le film là d'un mec qui est en bonnet, bonnie, bunny, bonnet, bonnie, bunny qui course quelqu'un. Ah, ils m'ont cassé le. D'accord, super. Bon, moi j'en ai marre de les faire réparer, donc comme ça je les remplace. Joris part se coucher. Oh, ils m'ont cassé la douche là-haut. Oh, je les déteste. Non, 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 je t'ai dit dormir, pas faire la sieste. Allez, un petit effort. Tu te lèves dans pas longtemps pour aller en cours. Voilà! Moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode des Ugly to Beauty Legacy Challenge. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à la prochaine! Allez, salut!